Ah oui. Ah, ah chef, je lance la vidéo. Et c'est bon. Alors comment ça se joue maintenant, maintenant, maintenant? On a 2-2-1 pour les Nexil du coup. Et on a du 2-2-1 pour les Snail aussi. Aïe aïe aïe. Ça va se fighter. Attention King Yo et Dams qui attendent BT. D'accord, c'est du 1-2-1. Il y a Raclès qui va gore. King Yo qui attend Crud, ils vont lancer la RT. Non, c'est bon, Dams s'est fait repérer. Dams il va y aller, Dams il va se faire jambonner maintenant. Et des King Yo qui ne fait rien. Ah, King Yo qui attendait le dernier moment. Il a peut-être cru que quelqu'un allait contourner. Ah ouais, hélas. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Il ne s'est rien passé, du coup on a plus qu'un. Tout le monde a été clear. Sur le mid, ça a été clear sur le mid, c'est pas mal. Y'a quoi? Y'a deux gorges? Ah oui, y'a deux gorges, ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est le com. C'est le com, ouais. Et Heracles. De la droite, on essaie de quadriller, on pèle toute la zone. Shipping, attention King Yo qui tourne entre BT. Damski attend que ça avance sur B-Wing, étant donné qu'il n'y a pas de RT à Trash Ejection. Ils ont un peu peur d'avancer sur Trash. Ouais, ils sont pas très rassurés hein, en même temps, c'est vrai que c'est pas les plus mauvais qu'ils ont mis. C'est parti, on attend, attention, Dams qui attend toujours ses deux petits collègues ils sont vraiment pas rassurés quoi, c'est un peu dingue hein, là pour le coup. Kingo, toujours sur Gravity. Attention, Eagle Eye sur Electrical Core. Ouh, il va attendre. Sur Bay. Ça y est, c'est parti, ouh. Plus qu'un. Ouh, ça a failli se finir en autre boudin, tout ça. C'est passé. Bon, en ce moment-là, on a réussi, ouais, tu vois, on bloque organe de nation, on boxe les GDNH, on ne peut pas rentrer de toute manière, Pipeworks va être posé au bout d'un moment. Reaper qui va se faire harass, il va même avoir le temps, je pense, de se faire bousiller aux 3/4. Et Rios qui a déjà pris 3 RT. Et Eagle Eye qui va aller attendre qu'on aille construire cette RT là-haut. Non, même pas. C'est parti, et là, on va enfin... encore se jeter sur Gravity, il y a King Yo qui est là, il y a Ray et Dams qui sont là, Ray n'est pas toute sa vie, attention Gorshunel est lancé, on va vouloir peut-être un peu de mobilité là-dessus, Arme 1 qui est lancé alors que Armor 2 vient de se finir, il le fait dans la foulée, il a 4 RT, il peut se le permettre pour l'instant. Armure 1, à chaque fois le mouvement. Ça bloque bien du côté Snail hein, sur Oxygène, ah ouais, sur l'organe, ils ont mis des hydres un peu partout, c'est vachement bien. Ouh, King Yo qui se fait tuer direct, étonnant. Il est un peu parti tout seul. Ouh, rush à la base de deux gars à la base là. Deux gars à la base direct, et ouais, parce qu'il y a personne, ils sont en auto-position, ils ont compté les gens. Direct Lamslab. Est-ce qu'il va y avoir comme out? Mais non, parce qu'ils vont. Ils font le choix, ils ne tuent personne. Ah, Lamslab qui est. Personne n'est mort, c'est terrible, personne n'est mort. Lamslab qui tombe, et il y avait Armure 2 en cours, il lance, il dit l'objet de déloc, mais il peut rien vendre. Ah là là. Il aura rien à vendre, il reloque sur Electrical Core derrière. Ouh, ça fait mal pour les Nexil. Ça fait mal pour les Nexil, c'est très violent. Ils ont pas, si ils ont lancé, mais ils ont même pas. Pff, oh là là, ça va être terrible. Là, ça s'est fait vraiment, mais en plus, ça s'est fait calmement quoi. Il y a pas eu de truc, hein. Y a pas eu de gros fight, y a rien eu quoi. Il y a Electrical Core qui est fini, il fait l'IP. C'est une relock. Et la Virtual qui meurt derrière, bim. Oxygénation par contre qui se fait claim, ça c'est un peu emmerdant. Et là, les RT par contre, elles vont toutes tomber. Toutes les RT qui sont à côté de cette ligne là vont être détruites. Heracles. Era qui ouf, non, qui fonce direct au fond. Bon, je sais pas pourquoi. Il aime bien. Bah, il va électrical. Ouais, mais là, électrical, ça va être très dur à protéger. Ouais, c'est un peu tard. Très dur à y aller. Mais là, regarde, toutes les RT se font bouffer. On va peut-être perdre par contre oxygénation, mais on s'en fout parce que là, on peut descendre autant qu'on veut là pour le coup. Ouais, c'est un peu dommage parce que là, il y a tout le nord de la map qu'on peut encore sécuriser. Il y a 3 RT qui sont là. De toute manière, faut pas les perdre. C'est décisif. Regarde, on casse tout ce qu'on voit. Et là c'est parti, le clear qui va se faire tirer dessus violemment, bim, direct. On est un groupe de 4. Et on va rentrer dans l'oxygène, organisation pardon, tout seul, c'est un peu dommage là, c'est... Oh là, Heracles qui va le finir au bite. Non. Ouf, oh là. Ouh, il l'a eu. Il l'a eu quand même, King Yo. Attention, King Yo c'est pas le plus mauvais des Skulk. Attention, ils sont deux là. Support. Voilà, Rios qui est là pour supporter des King Yo. De l'autre côté, on est en train d'essayer d'envoyer des RT un peu partout. Mais là, on a perdu énormément en faisant ça. Ah, il y a King Yo qui se fait encore tuer. Il lâche rien quand même, hein, c'est Nexil. Hein, mais bon, même s'ils sont vraiment mal là. La Reaper qui va tomber. Dokinbe qui a été remis, Supply Line qui a été remis.
Il a pas été détruit d'ailleurs. Ah, attention parce que on commence à sortir les life armor qui a sorti son. Oh là là. Pff, il prend pas suffisamment, pour, pouvoir s'en aller, donc le clerc il va. Oula, a... je sais pas ce qu'il a fait l'arrêt mais il a eu un petit souci. Il va se faire healer par Rios. Ouais il a metté mettre spam mais bon là... C'est pas un fade. Reaper qui se fait enfin détruire. Ça continue à fight sur organisation, c'est vrai que c'est assez compliqué quand t'es alien à l'organisation. Ils vont avoir la RT. Ils vont avoir la RT, ils vont le pêcher, mais en même temps, le reste de la map va se faire au fur et à mesure. Ils ont bien fait tout vert. Après le rush, hein. ils sont revenus sur la guerre, c'est vraiment pas mal. Attention, c'est parti, Kingyo. Kingyo qui se fait bêti. Oh là là, et puis regarde, mais il a pas beaucoup de res, il peut pas se permettre de faire des tapis de RT par terre. Des tapis de med. Oui, de RT, ça va être compliqué. Attention, Ray qui est made life, qui a un quart de vie, Ray. Oh, Ray, attention. Ouh, attention parce qu'il y a du lag, hein, tu peux te faire tuer derrière un. Oh, attention, Eagle contre Golden. Ouf, oui, et il se le fait, c'est très très bien parce que ça permet de sécuriser tout le côté droit de la map. Il n'y aura pas de recap possible pour l'instant. Les Exil qui sont vraiment en difficulté là, qui essaient plus ou moins de pusher sur Organ de Nation. Aïe aïe aïe, Rios qui essaie d'empêcher ça de se faire. On va essayer de casser, attention. Ils vont les bloquer à deux. Ouais, je pense qu'à deux c'est bon, ils pourront pas avancer. Et bientôt les fades. Et oui, bientôt les fades, 37 de res en moyenne. Alors qu'on a maintenant 3 fades. Les shotguns côté Nexil. Ils sortent les PG. Ils sortent les PG maintenant, mais bon, ça va être compliqué. Ouais, ça va être bien compliqué. Kingyo qui va cesser de se le faire dans le dos parce qu'il a fait le grand tour. Ça y est, c'est parti. Aïe aïe aïe, puis le moment où ils lancent la construction, ils y vont quoi. C'était bien calculé. Le coup était calculé. Et on va partir bientôt sur 5 voire 6 harvesters côté alien. On est parti de King Bay. Ouais, pour voir ce qui a été pris. Bah, la hive a été lancée. La hive a été lancée, elle va être faite très très vite parce qu'il y a un gentil potam dessus. Eagle qui continue à harass. Bon travail d'arras de la part d'Eagle. Une whip qui faisait un peu sa vie. Ça y est, le clear. Ça y est, il va la détacher et elle va faire mal cette whip. Non, il va pas la détacher, il va juste s'en servir comme tank. C'est excellent. Qu'est-ce qu'il fout avec cette whip? Bon, cela, ça attaque de l'autre côté. Eagle Eye qui casse tout ce qu'on cap au fur et à mesure. Hein. C'est vraiment un bon travail qu'il fait au sud de la map. On va commencer à pouvoir sortir, on va commencer à pouvoir faire du fade. 3 fades peuvent être lancés maintenant. Eagle qui harasse comme il faut. Ray qui, attention, qui en est sorti avec peu de vie. Je sais pas trop ce qui s'est passé, il y a eu un petit fight là-bas sur Reaper. Parti, Eagle Eye contre Golden, Eagle Eye qui va tomber. Et Dams qui est déjà à la base. Eh oui, parce que Dams doit mourir. Dams must die. C'est parti. Il les embête un peu quand même. Il les embête, mais en plus il doit se suicider pour avoir son fight. Donc, Et Dams en fait, c'est pas très marrant en général. Il a failli se le faire en plus. Il va sortir son fade. Il va sortir son fade. Par contre, c'est dommage, c'est que là il se passe des choses pas net à B-Wing. Hein. On commence quand même à réussir à avancer. Ça serait dommage qu'il y ait des fast-gates qui se fassent un peu partout dans des endroits un peu incongrus, on va dire. C'est Ray, Rakles qui sont là. Est-ce qu'ils vont y aller? Ouh, petit problème là. C'était pas très synchro, je pense. Attention, Ray, de pas mourir. Ouh, Ray, qu'est-ce que tu fais? Ouh, il est greedy ce Ray. Et attention, parce qu'il y a un fait qui est là. Et Eagle Eye qui s'en fait un. Et Eagle Eye qui s'en fait deux. Et Eagle Eye qui maintenant, il sait en plus qu'il y a quelque chose à gravity, il va y aller, je pense. Où sont partis les fades? Où sont les fades? À Gravity. Ils sont à West Recycling. Dams qui a sorti son fade aussi. Ouh là, il va se passer quelque chose de pas très fort, pas très cool. Voilà, Gravity qui va tomber. Enfin, les marées de Gravity qui vont tomber. Pipewar qui est fini maintenant, ça y est. On va quand même ça pouvoir se développer sur quasiment toute la map. Ça va être très très compliqué. On va regarder, elle est ultra sécurisée sur Organ Donation. Ouh, ça te resserre. Voilà, et puis ils ont pas de shotgun. Ils vont se faire violer quand même. Hein. Ouais, ça va être très violent. Ça va être très très violent là. Ça va être très violent parce que là ils ont plus de tout de contrôle map. La seule chose qu'ils peuvent essayer de faire c'est rentrer dans Organ, ils peuvent pas le faire. Eagle Eye qui est là, regarde. Y'a pas de shotgun, tu peux rien faire. Tu peux pas test. Regarde, il tourne sur une RT. Je pense qu'il va bientôt y avoir un GG là. Ouais, ça va pas tarder. Il va bientôt y avoir un GG, on n'a pas encore acheté. Celui-là attend. Ah bah attends, mais ils ont. Ouais, mais c'est très tard.
Ouais, c'est beaucoup tard, trop tard, trop tard. Beaucoup trop tard, ça. Ils vont tenter le double tour, hein. C'est une cub. Ils vont tenter en ligne, un ouais. Petit truc, quoi. Voilà, Eagle Eye qui se permet de d'être un peu greedy. Dams qui va y aller, bim bam. Et oui, en plus, ils ont pas armure 3. Hein. Bah, de toute façon, Eagle Eye de pas manquer non plus trop de vie. La Shift Dive qui est faite. On va lancer pouvoir en plus. Il va pouvoir lancer 2 Amelio maintenant. S'il veut, très vite. Hein. 5 Harvesters, bientôt 7. Et voilà, regarde, ils peuvent tirer de loin. Oh, ils cassent toutes les mines, Ray. De toute façon, Ray s'est pris en full quand même. Les shotguns ont été lancés, la bite bombe a été lancée. On va pouvoir balancer tout ça de loin. D'abord, oui, bite bombe, c'est vrai. Ils vont finir. Non, moi je te reprends pas. Kingyo qui s'en va. Kingyo qui n'a pas pris de. Bah non, Kingyo qui attend. Kingyo qui écho Onos. Mais je pense que la game sera finie d'ici là. Ouais, à mon avis aussi. Ils vont aller avec un Sick Nick qui est déjà. Et puis Leclerc qui est déjà sur son dernier shotgun. Oh, aïe 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 aïe. Oh là là là. Oh ouais, c'était Kingyo, c'est bon. Ah, oh, il recharge, il a pas le temps de sortir son flingue ou quoi. Il n'a aucune chance en 1v1. Attention, il y a 3 shotguns qui arrivent directement là. Contre Ray. Ouf, c'est bon. Le fight, il va se passer quelque chose d'assez trash. Dame c'est Eagle juste derrière. Oh, regarde, ils mettent leurs Amelio. Ils glouent, il fait un peu de manière. Oh là, et Dame. Non, oh, ils sont pas synchro. Attention, ça serait un peu con de. Bon, en même temps, là, je doute que la game puisse se retourner. Non, ils sont toutes les RT, c'est mort. C'est fini. Ils ont 8 RT. Bientôt 9. Même s'ils arrivent à descendre tous les fails. Ah, vous avez entendu bip, c'est normal. Attention, Ray. Ouah, wow, Golden, regardez, s'il rentre, il est foutu. Il va se faire bouffer par une. Oh, il finit que rien. Ils ont pas. Il a quoi? Il a une res. Il peut pas s'amuser. Ah là 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 là. Il peut pas s'amuser à mettre le tapis. Oh, pauvre Golden. Golden qui va tenir. Il va devoir. Tiens, tant que mal. Voilà, il le finit. Un petit coup de spike. Je pense que là, c'est foutu. Le contrôle map est total, la domination est complète. Heracles qui a essayé de faire quelque chose. Ah, Heracles il essaie de se faire du 1v1 mais ça n'a pas marché. Ouh, PG sur Gravity. Ça tente un peu, là. PG sur Gravity quand même. Mais regarde ce qui se passe à la base. Oh, Kingyo qui a sorti son. Oh no, ils sont tous à la base, c'est foutu. Ouais, c'est fou. Et Ryos qui est là en plus avec une bite bomb, c'est le coup parfait. Ils vont prendre la PG. Oh, ils vont casser forcément l'arm slab. Ça, ils ont cassé l'arm slab, ils vont tuer tout le monde. Oh, Kingyo qui flash. Il l'a pas vu venir. Et ils ont perdu quand même pas mal de choses. Ils ont perdu. Attends, c'est quoi qu'ils ont cassé? C'est l'Ops? Oh là là, il y a eu problème là. C'était l'Ops, c'était une erreur ça. Kingyo qui a flash son Nonos. Nonos, c'est vraiment pas ça hein, sur la 250. Même avant, de toute façon. Ouais, il est descendu tellement. C'est plus ce gros tank qu'on connaissait avant. Il lance les biomasses. Bah oui, en plus, il n'avait que biomasse 2. Alors qu'il peut se permettre avec 9 harvesters quand même de faire un peu plus. Mais il l'a pas vu venir, je pense. Hein. Il savait pas qu'ils allaient mettre une PG à venir d'un coup. Ouais. Mais là, le problème, c'est que regarde, punition. Y a plus de reste pour faire des shotguns. Ces derniers shotguns qui vont tomber sont les derniers. En plus, c'est Rock qui se permet des choses avec son. Et team. Gravity qui va être clean. Gravity qui va être clean, c'est fini. La game est terminée. Y a BT qui va sortir pour mourir. Une whip est morte quelque part. Ah, on a tenté de m'envoyer des whips à Supply Line. Oh là là, ça, le moral doit pas être au beau fixe côté Nexil là pour le coup, parce qu'ils doivent se dire, oh putain la vache, ça va être comme ça pendant encore 3 rounds, ça va pas être marrant. Gravity qui est lancé. Il s'y attend un peu d'un côté aussi. 9, ouais, je pense qu'il s'y attend un peu. 9 Harvester contre 1 RT. GG qui est lancé, c'est fini. C'est terminé. Première victoire pour les Snails, un petit 1-0 qui nous fait plaisir, qui nous montre que les Snails sont là, même pour des games sans enjeu on va dire. Ils sont là pour gagner. Donc on retiendra juste le flash de Kingyo. C'est un peu honteux. Et la déloc était pas mal, hein, franchement. La déloc était pas mal. C'était bien. De toute façon, ils ont failli gagner dès le départ, hein. C'est assez trash, hein. Ils avaient compté. Hein.